Bonsoir. À la fin des années 60, Gibson a pour la première fois réédité son modèle Les Paul. Je m'explique, ils avaient arrêté la production du modèle tel qu'on le connaît avec cette forme-là en 1961, au moment où ils l'ont remplacé par la SG, qui s'est appelée Les Paul, puis qui a été rebaptisée SG. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que les gens aimaient bien les Les Paul vintage, devenus vintage du coup puisqu'ils ne les faisaient plus. Et donc, en 68, ils se sont mis à refaire des Les Paul, la Custom et la Gold Top. En gros, tout sauf la Burst. La Gold Top, d'abord avec des P90, et puis dans le même emplacement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre des mini humbuckers. Pas exactement les mêmes que sur la Firebird, c'est pas le même modèle de micro, mais des mini humbuckers, donc bien à ce modèle, avec le pourtour crème qui justement sert à combler le vide dans un emplacement de P90. Donc comme ça, il n'y a pas à faire des corps différents, et puis si jamais vous voulez monter celle-là en P90, bah c'est trop facile. Et donc, ils l'ont rebaptisé Deluxe avec les mini humbuckers. C'est devenu un modèle qui a imposé sa propre signature sonore, notamment à travers les tournées des Who et Pete Townshend qui les martyrisait dans les années 70. Et puis finalement, la Deluxe est un peu tombée en désamour dans les années 80 et 90, avant de revenir en force à travers des rééditions toutes plus excitantes les unes que les autres. Celle-ci est donc une réédition qui date des années 2000, qui est dans un état royal, quelques griffures dans le gold top qui la rendent encore plus désirable. Il y a des gens qui payent Tom Murphy des fortunes pour avoir ce genre de stries naturelles dans le gold top. Je ne me lasse pas de le regarder. Et pour le reste, donc nickel, aucune cassure, tout va bien. Édition limitée, réédition assez proche de l'original finalement, d'une Deluxe Gold Top du début des années 70. Et pour brancher une guitare comme ça, il fallait une réédition digne d'un plexi, histoire d'avoir le combo légendaire. Et j'ai donc choisi le petit Marshall Plexi 20 watts, qui fait vraiment bien le boulot, sans éclater les oreilles autant que son grand frère. Un vrai plexi 100 watts, poussé à fond, en face, on s'en souvient assez longtemps en général. Ça peut même provoquer des saignements. Là, avec le 20 watts, on est bien, on peut le pousser à donf, et ça sonne juste magnifiquement. Ça sonne comme une pâte sonore caramelleuse, un peu comme du beurre de cacahuète sonore, dans lequel vous pouvez façonner vos riffs les plus gluants.